La préservation du végétal par exclusion physique est-elle une alternative viable aux produits phytosanitaires ? Influence sur le rendement, efficacité, prix, le MAC du biocontrôle lève le voile sur une technique en pleine progression sur les cultures maraîchères. Quoi de plus logique pour parler filet de protection que de rencontrer le spécialiste français du domaine ? En addition aux filets anti-grêle et d'ombrage pour les cultures, la société française Texinov propose bien sûr des filets anti-insectes. Tissés ou tricotés, vous allez voir que la nuance est importante. Tout à fait, il y a plusieurs types de filets, ne serait-ce que dans leur construction, c'est-à-dire qu'on trouve des filets tissés ou des filets tricotés. Donc tricoté indémaillable, c'est important par rapport à la tenue. Et nous, en tant qu'industriels français, c'est plutôt notre orientation. L'avantage du filet tricoté en agriculture, c'est qu'il dispose de fils plus fins, ce qui va permettre d'aérer l'espace. Et donc, à la plante de recevoir plus de lumière qu'avec des filets tissés, qui eux, vont se révéler plus hermétiques. Mais, une fois ce filet installé sur notre culture, peut-on continuer à employer des produits phytosanitaires ou de biocontrôle ? On n'exclut pas l'emploi des phytos, on va dire que c'est un complément qu'on estime judicieux, dans la mesure où la maille va exclure l'insecte que l'on vise et respecter le végétal au plus près. Donc on peut avoir une pose à plat ou une pose sur structure, mais dans tous les cas, on peut bien utiliser les phytos, voire s'en affranchir dans le cas d'insectes, évidemment, et donc d'insecticides, d'emploi d'insecticides. C'est important de situer un petit peu ces deux aspects, c'est-à-dire soit strictement diminuer, voire se passer des insecticides, soit les limiter. En tout état de cause, on peut pulvériser même des substances naturelles au travers de ces filets, encore une fois à partir du moment où le fil est plus fin. On a une perméabilité à l'air ou à l'eau plus importante. Une question légitime serait de savoir si la pose de filets au-dessus des cultures peut entraîner une baisse de rendement. Bien au contraire, maintenant c'est vraiment une technique aboutie dont un ensemble de preuves techniques et de centres expérimentaux ont démontré la plus-value que ça apporte au bien, aussi bien qualitativement que quantitativement sur essentiellement le maraîchage. C'est un peu plus délicat sur les fruits, on parle plutôt d'un aspect qualitatif. Bien évidemment, certains filets mal employés peuvent, et c'est pour ça que les préconisations sont importantes, diminuer le rendement, voire générer certaines maladies quant au microclimat. Mais dans l'essentiel de leur usage, c'est une plus-value quantitative ou qualitative à laquelle il faut s'attendre. Le fabricant précise que des filets adaptés peuvent limiter les amplitudes thermiques au cours d'une même journée et diminuer ainsi le stress des végétaux. Attention, il faut bien comprendre que la pose est un paramètre très important. On évite ainsi d'emprisonner les insectes et de provoquer une infestation sous filet. À ce titre, l'entreprise travaille sur la mécanisation de l'installation de ces filets pour en optimiser encore plus l'efficacité. Malgré tout, c'est une technique qui se développe de façon importante et ce depuis une bonne dizaine d'années. Pour nous, seuls fabricants français, à titre d'exemple, c'est quand même une croissance à plus de deux chiffres que l'on constate. Il faut aujourd'hui compter environ 2500 à 4000 euros l'hectare pour l'installation de ces filets en maraîchage, sachant qu'un filet peut durer entre 2 et 5 saisons. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAC du biocontrôle.